turn off the lights. We're gonna lose our minds tonight. What's the dealio? I love when it sounds so much. 5 a.m. turn the radio up. Where's the rock and roll? Body crusher, penny snatcher. Call me up if you're a gangster. Don't be fancy, just get dancy. Why so serious? So raise your glass if you are wrong. And on the my ways, all my hands are dust. We will never be anything but love. I need a greedy, dirty little freaks. Won't you come on and raise your glass? Just come on and raise your glass. Slam, slam, oh, damn. Caught a body, don't you understand? Wish you just freak out. Can't stop coming hard. I should be locked up right on the spot. It's all on right now. Party crusher, penny snatcher. Call me up if you're a gangster. Don't be fancy, just get dancy. Why so serious? Raise your glass, quelle tenue magnifique! J'adore ce look, Sophie Tic. J'aime, voilà. Même dans le look, elle nous étonne chaque semaine. Alors, est-ce que c'est du bleu si on a aimé? Est-ce que c'est du rouge si on n'a pas aimé? On l'attendait là-dessus, hein, Sophie Tic. Hein. Moi, j'avais envie de vous entendre chanter du Pink. On va voir si eux aussi, si vous aussi, chez vous. Alors, rouge ou bleu? Attention. Encore que du bleu. Merci. Les primes se suivent et se ressemblent pour Sophie Tic. 4 bleus encore du jury. Mathieu. Bravo. C'est très très dur ça aussi. Pink, c'est très dur parce qu'on peut très vite être, tu vois, dans la caricature. Un petit manque d'énergie quand même, hein, tu vois. T'es pas sur le registre de Julie quand même, mais tu vois, t'es... Voilà, tu manques un petit poil d'énergie, mais c'est juste, c'est parfaitement fait, tu sais quand donner, voilà, c'est bleu. Vous voyez, même quand il met un bleu, c'est un bleu rouge. Non, c'est... Bon, c'est un bleu Sinclair, on va l'appeler comme mais, ça maintenant. Mais quel casse-couille, le père Fouettard, c'est comme ça que... Ouais, c'est pas mal. Allez-y, hein. André. Comme ça, dès qu'il met un bleu, on dit, waouh, miracle, il a mis un bleu, waouh, c'est génial, c'est que ça doit être vraiment bien et tout. Et... Mais tu t'en sors réalité, bien, c'est hein. Vraiment vas-y, bien. Vas-y, fais ton, fais ton dur d'oreille et tout. Non, mais c'est juste, c'est géant, voilà. Je ne sais plus quoi dire d'autre. On dirait un speed rider qui... Mais oui, parce que à la fois, elle est dans les airs, à la fois elle retouche le sol et puis elle s'envole, elle fait ce qu'elle veut, quand elle veut. C'est presque... Il y a toujours un côté impressionnant, mais je suis presque impressionné, comme si je voyais une vraie star. C'est pas que vous êtes des fausses stars, mais tout d'un coup, on est dans un autre registre avec toi quand tu chantes. On fait juste un pas en arrière, puis on fait ouais, voilà. Et là, on n'est plus des jurés, on est des spectateurs. Je te l'ai dit plein de fois, mais pas grand-chose. Ça continue encore ce soir. Pour Sophie Tic. Tu as la moustache humide. Oui. Si, tu vas voir ma moustache. Allez-y, Olivier. Allez-y. Non, mais il a la moustache humide, je suis très impressionné. Laisse ma moustache tranquille, s'il te plaît. Ouais, maintenant, mais elle est très belle. Ne touchez pas à sa moustache, allez-y. Du bleu pour Pink, c'est plutôt rigolo. Et c'est vrai qu'on avait envie de te... Fort, ah pardon. Oui, non. C'était facile. Je vais expliquer cette blague. Parce que Pink, bien sûr, rose, bleu, rose, oh là là. J'ai il presque drôle, envie de donner tout... Il est drôle, vous savez il quoi est j'ai presque envie de donner tout de suite la parole à Morane après ça. Ça suffit. Non, parce que j'ai un truc à dire. Prendre un bide, là, je te dis pas. Ah ouais, allez. Non, on avait vraiment envie de
te voir dans un truc comme ça, dans un truc souriant, de prendre du plaisir. Et je crois que Pink, elle est à Bercy le 13 avril. Et on va essayer de lui demander que tu fasses un duo avec elle. Pourquoi pas? Ça serait énorme. Sympa, ça. Ça serait énorme. Hein, chiche. Ah bah oui. Mais je sais qu'elle nous regarde ce soir. Pink, can you make some... Sophie, voilà, elle m'a compris. On se comprend bien, voilà, Pink et moi. Morane. En tout cas, c'est terrible parce que chaque semaine, on se dit, mais Sophie Tite, il y a un moment où on l'attend au tournant parce que c'est tellement parfait ce que tu nous proposes depuis le début qu'on se dit, il y a un moment où ça va pêcher. Et là encore, tu nous surprends parce que tu as fait quelque chose de différent. Tu as montré une facette de toi qu'on connaissait moins, la facette énergique, la facette un peu moins retranchée, un peu moins réservée. Et ça marche aussi, et ça le fait aussi. Que dire? Merci, aujourd'hui. Oui, très, très vite, Saint-Pierre. Et là, Scheim, elle ne tweet pas? Elle va tweeter. C'est important quand même. Il est plus sur Scheim que sur l'émission. Ça y est. Je voudrais juste savoir. Ouais, c'est bon. Allez, merci, Sophie Tite. Merci.